L'île des pique-niques, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Random Nawak. J'espère que vous allez bien, c'est Galius, comme d'habitude. Il n'y a pas d'autres personnes qui font le Random Nawak, il n'y a que moi sur YouTube. Je suis the only one. Non, je rigole, enfin non, je rigole pas parce que c'est vrai, mais je ne vais pas quand même me la péter. Je joue avec un ventilo à l'arrière, là-bas, si vous le voyez. Normalement, vous ne devriez pas entendre de bruit parce qu'il fait tellement méga chaud, donc voilà. Bref, la cagole qui nous dit « J'ai plus besoin de toi, m'en débarras ». Comment ça? Ah oui, elle parle à Marie, d'accord. Comment que tu me causes, toi? Respecte-moi, je suis ton maître. Mon maître? Non, mais t'as trop cru, toi. Une fille aussi exceptionnelle que moi ne s'abaissera jamais à ça. La musique qui lance, genre... Tum, tum, tum. Enfin, ce qui est cool, c'est que j'aurais pu la supporter ta sale tronche. Oui, je suis d'accord. Mais elle s'est vue, l'autre morue. On sait même pas avec quoi tu as été croisé. Non, mais l'a lu, quoi. J'aurais pas dit mieux. Allez, minute. Alors normalement j'ai remis le patch de rapidité. Oui, voilà, j'ai remis le patch de rapidité. Ça se confirme, il se bouffe le coup. Surprendre un bateau, on va parler au timonier. D'accord, alors l'équipe n'a pas bougé, elle n'est pas soignée. Bon écoutez, faut juste faire monter cette saleté de cabot là. De cabot flamboyant. Allez, c'est parti, on va se soigner. Donc, dans cet épisode, nous allons nous rendre sur l'île des Big Dick. Vous connaissez l'île Noix de Coco de base, évidemment. Mais bon, voilà, ici ça change. On est un peu stylish à Nawak. En tout cas, je suis très fier de mes collaborateurs parce qu'ils taffent vraiment pas mal et les dialogues là ont pas mal été changés. Donc, ça c'est cool. Alors, le petit drapeau, il est en bas. Ici, non, toujours pas. On va y arriver, hein. C'est là. Alors le timonier, comment il s'appelle en fait ici? Alors mes petits chéris, de retour, vous avez trouvé la mise sourcil? Oui, et je l'aime vraiment pas. Ah bah ça me fait de belles jambes, j'aime les bagarres de filles, c'est sexy. Ouais, moins je la vois, mieux je me porte, en plus elle drague mon Galius. C'est bon, petit à petit je me rapproche de la cagole. Bon allez, je dois me calmer, on a beaucoup à faire. Bon monsieur pédophile, on a besoin de vous pour aller quelque part, oui c'est vrai. Sur l'île Big Dick. Dans un champ d'asperges. Ah, dans un champ d'asperges, je préfère. Je suis plus légume, vous voyez. Un champ d'asperges? Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien asseoir. Bon, après tout, j'ai un navire, alors autant que je vous aide. Direction sur l'île Big Dick, vous laisserez participer. Allez, moussaillon, tout à bord du Black Pearl, je vous emmène. Black Pearl. Ouah, c'est magnifique. Je vous mettrai la musique des Pirates des Caraïbes quelques secondes, histoire que vous appréciez... magnifique moment passé en bateau. Ça va être assez rapide. Waouh. L'île des Big Dick. Enfin, l'île Big Dick, voilà. Île Big Dick. Bah, l'île des Big Dick, c'est île Big Dick. Nous voilà arrivés sains et saufs sur l'île Noix de Coco, les enfants. Il paraît qu'il y a longtemps, un speed dating avait lieu ici même. Bonne chance. Nous devons trouver Zizi. J'ai jamais pensé qu'un jour j'irais sur deux choses. Sorti de ce contexte, c'est quand même bizarre. Je suis d'accord. Bon, nous, ce qu'on va faire, évidemment, sur chaque nouvelle zone, c'est explorer un petit peu ma zone. D'accord, il est mort de rire. Tout va bien. Ah. Ok. Big Dick. Bon, autant qu'on profite de notre séjour sur l'île Big Dick. Je suis contente d'y être avec toi. Et pas avec un gros boulet. Mais au fait, pourquoi Big Dick? Oh, punaise. Elle va vite comprendre. Oh my god, Galius, ah. Ah, il nous attaque. J'ai oublié ça. Oh, bah oui, c'est random, c'est vrai. Psystigri. Il est mignon, Psystigri, hein. Il est mignon, hein. Ah, niveau 40. Ah, bah tiens, c'est stable, fin sorcelé. Oh, larcin. Non, mais j'ai mis larcin, mais j'ai oublié d'enlever l'objet. Donc ça sert à rien, ça marchera pas. Bon, il a pas tenu, c'est pas grave. Il est mignon, mais c'est tout. Ça change rien d'autre. Pfiou, pfiou. Qu'est-ce qu'il était long et fin. Ah, mais tu dois pas complexer, mon Galius. T'inquiète pas, c'est la taille qui. T'inquiète, c'est pas la taille qui compte. Oh, les yeux qu'elle tire! Oh, elle était choquée à vie, là.
Ok, bon. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans cette zone? Tu as bien exploité Big Dick, nous dit Otisman. Et on trouve un Armaldo. Ça, c'est original, vous voyez? Armaldo, c'est assez original. Je pense qu'on peut envoyer... Allez, on va envoyer Chocorico. On va voir ce qu'il a comme attaque, cet Armaldo. Parce que s'il a des attaques assez intéressantes, pourquoi pas. Furibond. Oh! C'est l'attaque de Cancrelove. En plus, il me baisse mon attaque. Ok. Alors, pouvoir lunaire. Combien ça fait, ça, pouvoir lunaire? Pas terrible. Hein. Voir argenté, ok. Bon, ça, c'est mieux. Bon, Furibond, c'est vraiment excellent. Voilà, on va refaire pouvoir lunaire. On va tenter de le capturer. Après, j'ai déjà Tarambule dans l'équipe en Pokémon Insecte. Mais non! T'es sérieux? Bon, allez. Qu'est-ce qu'a dit la cagole? Oh, il pleut. Ah oui, c'est vrai qu'on se protégeait sous l'abri, là. Tiens, la pluie, c'est romantique. Ouais, c'est vrai que c'est romantique, ouais. Avec le petit parapluie, les deux amoureux qui se mettent en dessous le parapluie, collés. C'est vrai que dans les films, ça se fait... En vrai, c'est tout à fait moins romantique, hein, si on n'a pas de parapluie. Pfiou, un peu plus, on finissait encore plus mouillé que je ne le suis. Non, hé, trêve de plaisanterie, de blague un peu coquille. Tu sais, Galiou, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. On a vécu pas mal de choses. Ah. Enfin, je veux dire, pour en arriver à faire ce voyage ensemble, c'est qu'on doit être très proche. C'est maintenant qu'elle reconnaît. Oui, ça doit être ça. J'ai dû passer pour une conne à te faire toujours tourner en bourrique, à faire de toi mon larbin ou te friendzoner. Mais bon, qui aime bien, châtie bien. Et faut pas croire que je dirais ça à tout le monde, hein. Pour profiter des instants avec toi, j'aurais tant voulu que le temps s'arrête. Mais tu sais, je disais souvent que je te voyais comme un bon pote, mais c'était juste pour te faire chier. T'es un gars vachement gentil et tout, t'as plein d'abonnés qui t'aiment. Tu m'as sauvé d'un mariage arrangé et t'as laissé tomber l'autre adresseuse. Ah oui, c'est vrai. C'est dur à dire, ça. On a même eu la bénédiction de mon frère, donc c'est plutôt bon signe. Même si t'as dit que tu préférais ma mère. Mais je t'en veux pas, gros goujat. Dire que je m'en suis pas rendu compte avant, je trouve plus mes mots. Bleu, 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 bleu. Alors rebonds-toi, gorge Georgette, je sais que tu peux y arriver. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es un peu mon héros à moi. Ah, je sens le truc arriver. Oups, pardon, désolé. C'est le stress. Bon, Galius, est-ce que je te plais? Oh, punaise. Bien sûr que oui. Marions-nous, chérie. Trop pas, non. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui dit à cette Georgette? Soit, bien sûr que oui. Bon, c'est un peu dans l'excès, je trouve. Marions-nous, chérie, c'est encore plus dans l'excès. Et trop pas, non, c'est pas du tout. J'aurais pas, y a pas le juste milieu. Moi, j'aime bien être vraiment au milieu. Est-ce que je te plais? Bien sûr que oui. J'aime pas être trop direct comme ça et trop de lui donner de fierté, vous voyez, d'un coup. Marions-nous, chérie, ça peut passer pour une blague, Marions-nous, chérie. Hein. Trop pas. Non, pas trop pas, non, parce qu'après, je risque de passer ma chance. Non, on va faire Marions-nous, chérie. Waouh! Tu es toujours si sûr de toi. Non mais c'était une blague. Je suis tellement heureuse. Alors c'est décidé, Galiou, sortons ensemble. Moi je reste toujours le petit sourire bête, quoi. Imagine, ils se font un bisou. Imagine all the people. Ah oui, non, d'accord, c'est Imagine de John Lennon. D'accord, j'avais pas... Imagine all the people. Ah, les arcs-en-ciel, c'est gay. D'ailleurs, c'est la marche des fiertés aujourd'hui, le 24 juin 2017. Bon, vous aurez cet épisode plus tard. Hein. Mais, ah bah tiens, l'arc-en-ciel, forcément. À partir d'aujourd'hui, je suis ta petite amie. Ta-da-ta-da. Voilà, l'épisode va s'arrêter là. La série également, nous avons eu notre petite copine dans ce jeu. La cargole est partie vers le cœur de l'île. Rattrapons-la. Ah, c'est ça, elle veut jouer à un petit trap-trap. Belle écaille. Donc, ça, c'est pour faire évoluer. Barpo Milobellus. Très bien. Et il n'y a pas, des petits trucs cachés là. Ah, il faudrait que je lui apporte un petit bouquet de fleurs, vous voyez. Petit bouquet de roses là. Elle est jolie cette île, j'ai pas vraiment fait attention, mais. Ah, le zizi. Alors attendez, avant qu'on aille vers le zizi. Non, il n'y a rien d'autre. Ok. C'est parti. Galius, regarde! C'est le zizi du soleil. Un membre turgescent est posé sur l'autel.
Un membre turgescent. Voulez-vous le prendre en main? Oui. Vous avez obtenu le zizi du soleil. Ouais. C'est quand même une coïncidence, hein. On est en couple et on trouve un truc phallique. On va pouvoir jouer ensemble, faire de la musique. En espérant qu'on appellera le Chris Cosmique pour pouvoir sauver le monde. Oh là là, j'ai le trac. Heureusement que tu es avec moi, Gaius. T'inquiète pas, moi, mon zizi de la lune, nous accompagnons. Allons vite retrouver le pédophile et rentrons au village. Au fond, elle a marché, elle a disparu. Et le bel arc-en-ciel. Bien joué, les petits choux. Vous allez à l'hôtel pour souffler un coup dans le binou. Dans le binou. Dans le zizi, je veux dire. Dans ce cas, cap sur le Grand Canyon de l'île. Attention, hein, la route jusqu'à l'hôtel est longue et périlleuse. C'est presque une épreuve. Allez, bon courage. J'ai passé faire coucou à Miss Sourcil avant de mettre les voiles. Ok. Bon, il va y avoir le combat. Attendez, je vérifie un truc. Le Grand Canyon de Port se trouve au nord de la vieille route. Ok. Donc, on va retourner se soigner. Donc, ce qu'on va faire avec ce Caninos, c'est que déjà, on va lui enlever son objet à la noix, là. Cette orbe d'amant qui sert à rien. Voilà. Vu qu'il a l'arcin, on va essayer de choper un petit peu des objets sur les ennemis. Donc, on va d'abord acheter des objets de soins, parce que je crois que j'en ai plus. Donc, Nawak Medoc, j'en ai 0. On va s'en acheter 20. C'est pas cher en plus. Les total soins, c'est bon. Les max elixir, on va s'en acheter 2 de plus. Max repousse, ok. Tyrannosy vite. Latazite, joyau vol, plaque air, croc rasoir. Peut apeurer l'ennemi. Glace volute, rêve ball. Apparaît dans le sac à la forêt du Hailing. Permet d'attraper n'importe quel Pokémon. Ah bon? Ah, on s'achète des rêve ball? Juste pour essayer, on va s'en prendre 5. Ça peut être marrant de capturer un Pokémon à la rêve ball. Est-ce que ça marche du... C'est comme une master ball alors? Je sais pas. Joyeux combat. Flacon, pierre plante, encore rêve ball. Fossile d'homme. Aimant et repousse. Ok, bon, c'est nouveaux objets ça. Si, attendez, les Nawak Ball, peut-être en racheter encore un peu. Oh, j'en ai 29, non, ça ira. Et lui, il fait quoi déjà? Ah, les capsules techniques, tiens. Ouais, non, c'est pas du tout les capsules techniques. Lockpinit, orbe toxique, c'est pas trop mal. Carton rouge. On va s'acheter un carton rouge. La CT carton rouge, très bien. La CT orbe toxique. Foulard bleu, ça sert à rien. Encendou piquant. Nautil, on a encore un. Ok, graine. Augmente la défense spéciale lorsque le terrain est couvert d'un champ psychique. Ok, bon, c'est trop aléatoire. Si tu gagnes, je te donnerai à manger en faisant l'avion, ok? D'accord. Très bien. Muy bien. Bon, c'est parti. Est-ce que j'ai soigné mes Pokémon, en fait? Oui, c'est bon. Le nul, on va le laisser en premier. Je pense que ça va être très tendu. Hein. On va faire ce petit combat avant. Il faut qu'il évolue, ce Pokémon. Je suis désolé, mais... Allez, Nawak Medoc. Moi, je veux que le nul évolue. Ce serait bien s'il avait un eau acier par exemple. J'en ai assez de ramasser des baies avec mes Pokémon. Viens par ici, on va te cuisiner. C'est parti. Ah oui, c'est un cuistot, c'est vrai. Let's go. Ah bah non, de la croix rouge. Dodo, voilà. Ok. Dodo, voilà. Il vaut combien? 80. Allez, feu ensorcelé. Combien ça fait? Coup de jus. Absorb Volt. Eh oui mon gars, j'avais oublié, mais ça m'aide pas mal. Bon, ça fait strictement rien. Je pense que je le mets KO quand même, hein. Yes. Allez, ça monte là. Ça monte au niveau 71. Voilà. Logiquement il devrait évoluer à la fin de ce combat. Allez, moi je veux la révélation du random Nawak. Batrachné, non, on va changer. Ah, c'est le petit. Allez, niveau 69. Faut récupérer des niveaux là, hein. Contre Marie ça va être tendu, hein, le combat. Oh, ça va, du calme. Allez, l'évolution. Le Caninos, le nul, en quoi va-t-il évoluer? Moi je plane. Je prévois un méga Florize. Il n'y aura jamais, on va avoir un grain dur ou un Pokémon bidon. Un trône grain. Oh, Yann méga. Oh, comme c'est original. Oh, j'avoue, alors que là c'est très original. Yann Mega.
Ça, pour un Pokémon peu courant, ben, c'en est un. Oh, je suis content. Il est niveau combien? 76, j'ai vu. 76, ok, il a gagné des... Il a illusion. Pou, 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 trop bien. Donne Pokémon à la porte du dernier membre de l'équipe pour tromper l'adversaire. Oh, génial. Insecte vol. Oh, yes. Oh, le nul. En plus, il vaut 76, c'est trop bien. C'est trop bien. Attendez, on va voir si on peut lui apprendre quelques attaques avec les CT. Insecte vol. Il est meilleur en spé, il me semble. Acrobatie, évidemment, il peut pas. Punaise. C'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'il peut apprendre? Balayette. Ouais, bof. Oh, Draco Ascension, mon petit. On aime tous Draco Ascension. Attendez, il est meilleur en quoi? En attaque spé. Bon, c'est pas grave. On va enlever atout. J'aime pas trop cette attaque. Draco Ascension, c'est du stab, c'est pas grave. Electa, qui peut pas jeter de sable, on s'en fout. Laser prisme. Picanon, pistolet haut, c'est nul. Point d'art, une attaque plante, mais c'est pas terrible. Traçon, on s'en fout, ça on s'en fout. Écume, on s'en fout. Empalcorne. Lame pangienne et Larcin, il a déjà. D'accord. Donc il va prendre l'illusion du dernier Pokémon. Bon, après, il a pas des attaques terribles. Si Draco Ascension, ça peut être pas mal. Écoutez, on va l'amener. Marie, c'est Roche, les types, il me semble. Hein. Type Roche. Donc on va faire croire. Ah, un petit proche, je vais me faire déglinguer en fait. Non, on va envoyer Bubule en premier. On va envoyer Bubule pour faire un. Même si je vais me prendre une attaque super efficace, hein, mais bon, c'est comme ça. Alors, elle est où? Il me semble qu'elle est là-bas. Il y a eux d'abord? Je me souvenais pas ça. Qu'est-ce que la team fragile fait ici? On vous attendait. Elle est naze, il y a un bruit qui court à la Croix-Rouge. Comme quoi vous connaîtriez un moyen pour sauver notre boss, Gastro. Si c'est ça, je vais vous faire cracher le morceau, ça va faire mal. Non, on va pas les combattre quand même. Si? Bon bah Marie sera pour une prochaine fois. Hein. La merde, le dresseuse se... Hey, c'est marrant qu'il soit tombé sur elle. Parce que c'est impossible là, non? Venalg. Trop drôle. Ça fait bien petit Pokémon de racaille, vous voyez, mais sans plus. Sans prétention. Bon, le son est un peu trop fort. Ok, alors Venalg. Escarmouche pas efficace, ouais. Pas efficace. T'as un niveau 83. Bon, pas efficace, mais ça va quand même faire des dégâts, je pense. Ultra laser. Bidon. Allez, Draco Ascension. Oh, j'aurais pu taper le vent arrière. Bah, pour deux Pokémon. L'araignée. Bon. Comme ça fait mal. Allez, dard mortel. Pense le mettre KO. Il refait ultra laser. Ouh, ça fait mal cette fois-ci. Ah, bah oui, j'ai baissé. J'ai une baisse de défense P, c'est vrai. Ok, bon, je vais augmenter pas mal mon attaque à plus 3, mais malheureusement, j'ai plus de... À moins qu'on tombe sur un Pokémon super nul. Mangriffe. Enfin, super... Non, il est plus rapide que moi. Bon, écoutez, on sait jamais s'il fait une erreur de je sais pas quoi. Souplesse. Ah, il aurait pu rater. Ah, dommage. Je voulais vraiment attaquer avec mes plus 3 en attaque. Ok, le nul. Ah, j'ai perdu les lunettes noires d'ailleurs. Ah non, mais on les a quand on combat les objets. Ah, ou sinon c'est sur les Pokémon sauvages qu'on peut les récupérer. Et pas sur les combats. Ok. On va faire Draco Ascension. Il fait souplesse. Ah, c'est trop bien, Illusion. Ah, je suis content. Franchement, je suis content. Après, j'aurais bien aimé. Bon, Draco Ascension, c'est énorme. Ouais, c'est pas terrible. Mais. J'aurais aimé qu'il apprenne Aéroblast. Après, on verra avec les écailleurs pour récupérer des anciennes attaques. Bon, il va refaire truc là. Souplesse. On va envoyer notre Pokémon Nougat.
Ok, hey David, dommage. Dommage que c'est arrivé après. J'aurais pu faire bouclier. Ouais, j'aurais dû faire bouclier royal. Clairement, j'aurais dû faire bouclier royal. Parce que ça, ça va pas faire grand chose. Ah si, quand même. Ça fait des dégâts. Et on va taper le bouclier royal rapidement. Parce qu'il va refaire vampire point. Voilà. Baisse d'attaque. Vifrock ne mettra pas KO. Donc on va changer sur Chocorico. Et normalement là on devrait s'en sortir avec un pouvoir lunaire. Je pense. Voilà. Il fait plus de dégâts. Et on devrait le finir. Putain, niveau 83, mais je vais mourir sur contre-marie, c'est pas possible. Ah, je vais les monter entre temps, hein. Niveau 75. Je pense que c'est le mieux, hein. Tous niveau 75. Bon, on s'en sortira. Mais ça va pas, t'as blessé mon petit cœur. C'est pas grave, hein. Écoute. J'ai dit ça va faire mal, mais j'ai pas dit pour qui. Oui. Ah, mais c'était pas Apocine. Ah non, Apocine elle était en haut. Ah ouais, tu veux la jouer comme ça, alors je t'attaque avec tous mes Pokémon, je vais me donner à 200% pour Gastro. Oh punaise, c'est vrai que ça va être le... le combat à 5 là. Alors, non, non, c'est pas ça. Ah, il me semblait que c'était à 5. Non. Oh, Regice. Shiny. Ok. Chocorico. Ça devait être à 5, je pense, de base, mais là... Ok. Ah ben non, c'est pas Chocorico, c'est vrai. Oh, feu ensorcelé, ça va tellement rien faire. Surtout que lui, il me fait une attaque glace. Comment dire? Bon, on va se laisser tomber KO. On va faire l'arcin pour piquer son objet. Juste pour voir ce qu'il a. Ce qu'il avait. Les restes! Oh, j'ai trop bien fait. Allez, éruption, salut. Éruption. Ok, je pensais qu'il allait faire une attaque glace. Mais c'est, ça m'arrange plus qu'il fasse ça. On peut peut-être partir sur un orage adamantin. Bon, dans tous les cas, je pense le perdre, mon Pokémon, mais c'est pas grave. On pourra faire le maximum. Allez, orage adamantin, qui devait faire de bons, bons dégâts. Ah oui. Oh, presque le KO, dommage. Éruption, attendez, je vais peut-être le tenir. Ouais, je le tiens. Et on va partir sur le Vifrock. On sait jamais s'il y a une attaque de Prio lui aussi. Hop là. Ah ouais, ça l'a déglingué. Ok. Niveau 69. Et il envoie, elle envoie ectoplasma. Méga. Bon, tant pis, on va faire Vifrock. Quoique, alors, enfin bouclier royal. C'est là qui me fait feu follet. Tout perdu. Griffe ombre. Ok, c'est physique. Non, il a contestation. Oh, ectoplasma méga contestation. Il me le faut, on l'avait trouvé au début du jeu. Vous en souvenez, hein? Il me le faut. Il me le faut, ce méga ectoplasma. On ira le choper. Oh, oh, c'est énorme. Allez, Vifrock. Pour lui faire des petits dégâts. Non. Punaise, j'aurais pu faire Orage d'Amantin, zut. Putain, il a contestation. Je reviens pas. Bomber, crayon signal. On va partir sur un lame pangéenne. Oui, oui, oui. Hop. Fais pas l'ombre. Ouah, ça fait très mal. L'abbé qui s'active. Le combo que j'adore. Bah, ouais, c'est le chaos, je pense. Non. Même.
Que poison ça, 100%. Je sais pas si je tiens. Non, je le tiens pas. Oh là, par contre, on est un peu mal là en vrai. On est un petit peu mal. Faudrait que Sonorita tienne quand même une de ses attaques. Rayon, signal, balle ombre. Bomberk. Ouais, ça devrait le faire. Allez, frappe si. Bon, même pour 2-3 PV. Allez, tu le tiens, Bomberk. Oh, il tient pas? Comment tu tiens pas un Bomberk? C'est pas possible. Mais non, on va perdre contre lui. Parce que là, il est plus rapide que moi. Ouais, voilà. Évidemment, j'ai pas les rappels. Bon, bah, on a perdu. C'est pas grave, je pense que ça change pas grand-chose. Il fait même pas Bomberk, il fait ballon. Ok, il a jugé suffisant. Je perds contre un sbire de la team fragile. Ah non, je pars là-bas. Bon, écoutez les gens. Bon, de toute façon, j'étais pas soigné à 100% quand j'ai fait le combat. Enfin, si, j'étais soigné au début, mais après... Je sais pas, je pensais pas que... Perdre. Je pensais pas du tout. Bon, de toute façon, il faut absolument que je les monte au niveau 75, parce que là, je suis vraiment sous... sous niveau. Bref, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode un peu plus long que d'habitude du Random Nawak. On se retrouve dans très peu de temps pour la revanche contre les sbires. Et puis également l'affrontement contre Marie. Ça va être un gros combat. Les Pokémon ont été changés, donc ça va être un combat assez complexe. Je vous dis donc à la prochaine. C'était Galius. Ciao ciao.